ressenti, c'est vraiment un juste équilibre en termes d'étapes. On est sur un parcours de recrutement, je dirais, ni trop long ni trop court, qui permet de bien se projeter dans le poste et d'avoir une idée très claire des attentes qui y sont associées. Je suis Manon Blanier, chargée de communication interne chez HomeServe depuis maintenant 6 mois. La première étape de mon parcours de recrutement chez HomeServe a été un entretien téléphonique avec une chargée de recrutement qui était vraiment là pour me présenter l'entreprise, le poste, les attendus du poste et aussi regarder un petit peu mon parcours, mes compétences et vérifier qu'il y avait bien un match avant de donner suite. La deuxième étape a été un entretien de recrutement au sein des locaux HomeServe en présence de la chargée de recrutement que j'avais eue au téléphone ainsi que de ma N plus 1. La troisième étape a été un business case dont le sujet m'a été remis une semaine à l'avance, que j'ai pu préparer chez moi et venir ensuite présenter, toujours à la chargée de recrutement, ma N plus 1 et mon N plus 2. Ce qui m'a poussée à donner suite après chaque étape du parcours de recrutement, ça a vraiment été la bienveillance et la transparence.